ce lundi aujourd'hui. Premier jour de stage. Je ne sais pas qui s'est parfumé avec du produit pour toilette dans l'ascenseur, mais c'est pas terrible. Bon, me voilà arrivée. Normalement, on passe toute la matinée avec tous ceux qui vont dans cet établissement, on va dire, parce que c'est super grand. Et du coup, voilà. Normalement, c'est ça. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon portfolio. J'ai emmené mes objectifs de stage, mais j'ai oublié le portfolio, donc j'espère qu'on n'en aura pas besoin. Voilà, voilà. Je vais commencer à me rapprocher, voir s'il y a d'autres personnes que je connais par là-bas. Puis voilà. Hello, je vous retrouve là, je suis dans mon garage, donc j'attends que monsieur s'ouvre. J'ai rendez-vous chez le médecin à 17h15. J'ai bien fait de prendre 17h15, parce qu'en fait, à la base, je pensais que je finissais à 16h. Et au final, en fait, on finissait à 16h30. Du coup, j'ai bien fait, parce que si j'avais pris 17h, là, ça aurait été chaud. Sachant que je vais y aller à pied, parce que la dernière fois, il n'y avait aucune place pour se garer devant. Il y avait un petit parking derrière qu'ils ont fermé. Donc, du coup, je suis un peu obligée d'y aller à pied si j'ai pas envie de me retrouver bloquée là-bas. À cette heure-là, limite, tu mets le même temps en voiture que à pied. Donc, écoutez, oh là là, mais cette lumière depuis le haut, c'est immonde. Du coup, là, je vais quand même me dépêcher un petit peu, parce que le temps que j'y aille, tout ça. Bon, sinon pour le stage, ça s'est plutôt bien passé le matin. Et ils ont présenté un peu tout quoi. Puis ensuite, au milieu de la matinée, nous sommes au... Bref, j'ai été coupée parce que j'ai vu un monsieur qui prenait des colis. Puis je sais pas s'il me dit, mais vous êtes pas Madame Perrault? Enfin, non, il a dit Paro, bref. Et là, je dis oui. En fait, le gars était en train de sonner l'interphone pour m'appeler pour me donner un colis. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, si, je sais! C'est lourd! Je sais pas que c'était lourd, en fait c'est un truc de sport, je vous montrerai tout à l'heure, qui fait 8 kilos. Du coup ça pèse et c'est dans un tout petit carton comme ça. Et sinon j'ai un avis de passage, mais du coup... oh là là, c'est chiant, c'est mis à la plateforme de courrier côté pro et tout. Relou ça. Du coup il est 17h, donc là je me déshabille pas tout ça, j'ai pas le temps. Je vais prendre mes affaires. Bon, me voilà prête. Je vais juste changer... d'écharpe, enfin, j'ai enlevé mon autre écharpe parce qu'il fait... Enfin, ça caille dehors. Je cherche mon écharpe énorme, voilà. Qui est celle-ci parce qu'il fait froid. C'est bon, maintenant que je suis emmitouflée, par contre, mon copain a laissé la télé allumée. C'est sa grande spécialité, ça. Donc maintenant, je peux y aller. J'ai tellement mal à la tête, les gars, vous imaginez même pas. Bon, ben voilà de retour. Avec un nouveau médicament, donc je vais essayer d'aller à la pharmacie. Je sais pas quelle heure il est. Je pense qu'elle est encore ouverte, je vais vérifier quand même avant d'y aller. Le seul truc un peu embêtant, c'est que bah, le médicament du coup il est pas remboursé. Voilà. Du coup elle m'a dit de stopper tout ce qu'elle m'avait donné la dernière fois. Donc codéine, tout ça. Elle m'a donné un autre truc avec de la codéine, de la caféine. Donc avec un peu moins de codéine. Faut pas que ça m'endorme parce qu'en stage bah, je peux pas prendre, sinon je dors quoi. Et c'est pas possible, puis pour conduire c'est pas bien. Du coup j'avais peur qu'avec la codéine, caféine. Ça n'est pas très bien pour le soir, mais elle m'a dit que c'était en légère dose, donc ça devrait aller. Donc j'espère que ça ira, puis comme elle m'a dit, on essaye médicament par palier pour voir ce qui marche ou pas. Jusqu'à trouver celui qui marche, et comme en fait je suis assez tendue dans les cervicales, faut que j'aille voir un ostéo, donc j'essaie de trouver dans la semaine. Faut aussi que j'appelle pour la radio, mais je crois que ça va fermer à 18h le truc de radio, donc je sais pas si j'aurai le temps d'appeler. Et là ça caille, donc je vais vous laisser parce que j'ai les mains qui gèlent. Bon, et puis sur mon bilan sanguin, il y avait quelques taux qui étaient un peu supérieurs. Elle m'a dit qu'il n'y avait rien d'alarmant, donc nickel. Bon, c'est bon. J'ai pris rendez-vous pour ma radio juste avant de rentrer dans la pharmacie. J'ai médicaments. Maintenant, on espère que ça va marcher. Bon, me voilà rentrée. J'ai le nez tout rouge. J'ai tout froid dehors. Du coup, j'espère que ce médicament va marcher. Et là, je vais absolument mettre ma vidéo en ligne. Parce que je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai raté la planification de la vidéo puisqu'elle n'est pas en ligne. Alors qu'elle devait être en ligne à 17h et il est quelle heure? Je ne sais pas. Et il va être 18h, voilà. C'était quand j'étais chez le médecin, j'ai voulu regarder les commentaires, puis je vois aucun commentaire, je me dis c'est bizarre. Je regarde, bah la vidéo avait pas été mise en ligne. Ah bah oui, je l'avais planifiée pour demain à 7h30, tiens, pourquoi pas. Donc non, c'est pour le 13 à 17h, bah du coup ça va être maintenant quoi. Hop, et on la met en ligne. Bon, ça y est, j'ai pu mettre ma vidéo en ligne. On prie pour que ce médicament marche. Et du coup, vu qu'elle m'a dit d'arrêter les autres, bah, je suis un peu dégoûtée. Parce qu'il y en a un qui n'était pas remboursé. Mais bon, c'est un relaxant musculaire, donc je me dis que je pourrais m'en resservir si j'ai mal au dos. Mais sinon, les autres, ils étaient peut-être remboursés. Ok, mais c'est un peu du gaspillage, je trouve. Parce que je vais pas les utiliser, ça se trouve, je les réutiliserai jamais.
Bon, après, je sais qu'une fois que les traitements sont terminés, on peut les ramener à la pharmacie, mais bon, c'est un peu du gâchis quand même, quoi. M'avoir donné autant de trucs plutôt que tester un par un, mais bon. Donc là, d'un côté, j'espère que celui-ci va marcher parce que je serai contente parce que je retrouve un truc qui marche. Mais d'un côté, il est pas remboursé, donc s'il marche, voilà quoi, j'ai pas envie de le payer à chaque fois. Parce que c'est genre 5-6 euros, mais 5-6 euros plus 5-6 euros plus 5-6 euros, ça va vite. Bon, je suis en petit poussin, j'ai rajouté un gilet, j'ai mis une Kobe One Piece. Parce que je sors de la douche et du coup j'ai froid. Donc je vous laisse pour aujourd'hui, demain je ne vlog pas et on se retrouve mercredi pour la suite. Hello hello, bon on est mardi, je vous ai dit que j'avais pas vlogué, sauf que mon copain est en rendez-vous et j'attends en fait qu'il finisse son rendez-vous, il m'appelle. Et je monte dans la voiture et nous allons acheter, donc j'aimerais bien acheter des pots de ce style là en fait. Moi celui-là je l'avais acheté à Emma, du coup on avait dit qu'on allait sûrement passer à Jiffy, mais du coup si on va à Château Fernand on ira peut-être plutôt à Emma parce que j'aimerais bien trouver les mêmes en fait pour pouvoir mettre d'autres choses dont mes amandes d'ailleurs faut que je rachète qui sont pour l'instant là-dedans, c'est pas terrible, enfin, ça va pas avec le reste quoi, et puis voilà bref. Et on devait prendre autre chose sauf que comme je vous l'ai dit, comme une migraine, me donner des trous de mémoire c'est sympa. Franchement je suis en stage en psychiatrie. J'ai l'impression de moi aussi avoir Alzheimer, c'est plutôt sympa, mais en fait non, pas du tout. Comme hier, j'ai ouvert un onglet sur mon ordi et impossible de me souvenir. Vous allez vous dire oui, ça c'est normal, tout le monde fait ça, mais moi c'est plutôt récent. Enfin, du coup à cause des migraines, c'est plutôt, comment, souvent, voilà, c'était ça le mot que je recherchais. Du coup j'ai un colis aussi à aller chercher, donc ce serait bien qu'on passe, il ne faut pas que j'oublie de le prendre avec moi. Et je disais, du coup en fait il y a 3 colis, donc je vais vous les montrer maintenant parce que j'ai envie de les ouvrir. Donc je me suis dit plutôt qu'attendre demain. En plus demain après, mais je vais peut-être aller chez mes parents voir la Lilette. Parce que c'était un peu triste que je parte quand je suis venue ce week-end. Du coup je l'avais dit, bah si je suis le matin, hein, vu qu'elle a pas cours le mercredi après, et bah je passerai. Du coup, ce qui était lourd dans le colis d'hier, c'est un kettlebell. J'ai confondu avec Gorilla Sports, c'est la marque et il fait 8 kilos. Donc il est assez petit, voilà, j'aimerais bien en avoir d'autres parce qu'en fait, bon pas pour l'instant parce que l'appartement est petit, mais mon rêve dans ma vie c'est d'avoir une pièce spéciale sport en fait, voilà, ce serait trop bien. Et ensuite j'ai trois autres colis, pardon, donc je vais vous poser puis on va ouvrir ça, je sais pas exactement ce que c'est, on va pas regarder ce que c'est, ce sera la surprise. Du coup le premier, ah c'est de la marque L'Occitane. Oh, ils ont mis plein d'échantillons dans une petite pochette comme ça. Et ensuite, nous avons un truc trop cool. Oh, il y a encore un autre échantillon qui s'est échappé. Terre de lumière eau de parfum. Je sens pas là, mais voilà. Donc, c'est le calendrier de l'Avent. Donc là, il est fermé, il s'ouvre. J'ai déjà mon autre calendrier de l'Avent chocolat qui est ici. J'en attends encore un autre. Et après, je sais pas s'il y a des marques qui m'en envoyer. Voilà, si vous avez envie de m'envoyer des calendriers de l'Avent, beauté ou autre, ça fait plaisir parce que je suis une enfant et j'aime bien ouvrir des petites cases tous les jours. Et du coup, il se présente un peu comme l'année dernière. Il est assez lourd quand même. Ici derrière, il y a tout noté ce qu'il y a à l'intérieur, donc je ne vais pas regarder parce que j'ai pas envie de savoir à l'avance ce qu'il y a à l'intérieur, mais je pense que ce sera du même style que celui de l'année dernière. J'ai eu plein de petites crèmes pour les mains, trucs comme ça, donc c'est plutôt sympa, j'en ai emmené dans son sac. Ensuite un autre colis, toujours d'Octoly. Il est assez lourd, je sais plus ce que j'ai demandé. Ah je sais ce que c'est. Je vois ça, je vous avais déjà montré, j'avais reçu de la marque Innocent de l'eau de coco et puis des petites boissons gazeuses qu'ils avaient fait. Et là il y avait d'autres boissons dont une que je connais déjà ou deux, je sais plus, qui sont trop bien. Et comme d'hab, j'adore recevoir leur colis parce qu'on a des petites poches comme ça. Et je m'en resserre du coup pour me faire des poches de glace parce que j'en ai jamais acheté, c'est trop bien. Donc déjà on a le super smoothie, recharge, mandarin, carotte, gingembre, flaxseed. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Vitamine B1, B2, B3, B6 et C. Donc franchement les smoothies moi j'adore. En gros dans tous leurs trucs vous avez des fruits, légumes, graines, tout ça.
Ensuite vous avez le Energy, donc fraise, cerise, guarana, graines de lin, vitamine, trop bon. Et un que j'avais déjà goûté, que j'avais adoré, c'est le antioxydant. Franchement celui-ci je l'adore, c'est vrai qu'il a une couleur un peu de la soupe. Mais c'est kiwi, citron vert, matcha, herbe de blé et graines de lin. Et on sent surtout le kiwi je trouve. Et je le trouve trop bon. Donc merci beaucoup à Innocent. Et je vous ferai un petit post je pense sur mon compte de sport. Pour... parce que je crois que c'est avec mon compte de... Je crois que je vais les montrer sur mon compte de sport et pas en vlog. Mais vous savez, en vlog, je vous montre beaucoup de colis. Et en fait, j'ai pas besoin de vous les montrer. Parce que des fois, il y en a qui pensent qu'on vous montre des trucs en vidéo parce qu'on est obligé. Mais pas forcément. Hein. Là, je ne suis pas obligée. Là, c'est sur mon compte Instagram de sport. Et un autre colis. Je sais pas ce que c'est coupé l'expéditeur. C'est l'Occitane encore. Mais écoutez, c'est le même. Et du coup, je comprends pas pourquoi je l'ai en deux fois. Je n'en ai aucune idée, peut-être que la marque s'est trompée, mais il y a un autre truc dedans. Et là cette fois-ci, ah c'est des petits échantillons comme ça. Donc ceux-ci la plupart je les avais eu l'année dernière. Du coup je suppose que la marque s'est trompée. Donc ce que je vais faire c'est que je vais sûrement en donner un ou en faire gagner un. Moi voilà pour cette petite ouverture de colis. C'était plutôt sympathique. Il va être... il est 15h. Enfin, il est 3h moins 10. Je pense que je vais aller commencer à monter le vlog parce que je dois le mettre en ligne demain. Et bah, j'ai pas du tout commencé à le monter. Donc ça m'avancera. Ce sera ça de moi à faire ce soir. Et du coup, ce serait bien que ce soir aussi en rentrant avec mon copain, si on a le temps de ranger un peu, faire un petit peu de ménage. Je voulais faire ça ce week-end, mais il m'a dit plutôt mardi. Désolée, vous êtes en vue extrêmement immonde. Parce que là, ça va un peu mieux ma tête. Donc j'ai l'impression que le médicament qu'elle m'a donné hier, ça soulage. Bon là, j'ai mal encore, mais ça a bien diminué. On verra en fin de journée ce que ça donne. Parce que c'est là où c'est pire. Est-ce qu'il y a de la place pour ces petits smoothies? Non mais regardez-moi ça. Je crois qu'on fait une collection de sauces McDo en fait. Voilà, parce qu'ils nous en mettent souvent beaucoup. Du coup... Ah non, ah c'est ça rentre, j'ai eu peur. Et oui, ça c'est ce que j'avais ramené de Suisse et j'ai toujours pas goûté. Donc ne vous inquiétez pas, c'est goût apparemment cannabis, c'est pas un truc, tu le bois, tu es drogué. Hein. Bon à mon avis, je vais rien filmer de plus aujourd'hui puisque c'était juste pour vous montrer un peu l'ouverture des colis du jour. Donc on se retrouve demain.